Bonjour, je m'appelle Simon Brousseau, je suis professeur de littérature au collège depuis maintenant 5 ans. Le livre qui m'a le plus marqué quand j'avais 17 ou 18 ans, c'est un livre d'Edgar Allan Poe, donc Les Nouvelles Extraordinaires. Je me souviens, lorsque je l'ai lu la première fois, j'étais dans la voiture avec mes parents, puis à un certain moment, je me suis arrêté, j'ai lu un passage à haute voix à mes parents. Je pense que c'est la première fois que j'ai été aussi enthousiaste en lisant un livre. Et encore aujourd'hui, ça m'accompagne, hein, cette puissance de la littérature qui est capable de nous marquer durablement. Mon plaisir coupable, je ne sais pas si je peux dire que je me sens coupable lorsque je lis des livres, mais si j'avais à en nommer un, je dirais que c'est la science-fiction. Donc, depuis plusieurs années, je m'intéresse à la littérature d'anticipation, à la science-fiction. Et ce qui m'intéresse dans ce genre-là, c'est que on peut voir comment l'imagination scientifique, la spéculation, à un certain moment, lorsqu'on la pousse assez loin, rejoint l'imagination de la littérature. J'aimerais beaucoup être l'ami, le compagnon de Don Quichotte, le héros du roman de Cervantes. À mes yeux, l'histoire de Don Quichotte qui décide donc d'enfiler son armure et de partir à l'aventure à une époque où il n'y a plus de chevalerie, c'est une des histoires les plus belles et les plus tristes de la littérature. Donc, ça me ferait grand plaisir de l'accompagner pour l'aider à défendre son idéal.